Voilà, je reviens. Shalom à vous. Je reviens pour ce programme d'urgence, programme urgent que Dieu m'a envoyé. C'est très, très urgent et c'est très important pour ce programme. Alors, le programme, c'est le jugement de Dieu. Nous avons Somme 7 avec lequel on doit prier. Somme 7 avec lequel on doit prier. Nous avons Somme 10, verset 18. Somme 10, verset 18. Pour le programme qui commence le 24. Somme 10, verset 18. Nous avons Somme 10, verset 14. Nous avons Somme 10, verset 14. Nous avons Somme 72, verset 4. Nous avons Exode. Nous avons Exode 12, verset 12. Somme 72, verset 4. Nous avons Exode 12, verset 12. Nous avons Somme 82, verset 3. Nous avons Somme 94, verset 1 à 6. Nous avons Ésaïe 11, verset 4. Nous avons Ésaïe 11, verset 4. Nous avons Luc 18, verset 7 à 8. Luc 18, verset 7 à 8. Nous avons Luc 16, verset 24. Nous avons Somme 17, verset 14. Nous avons Somme 9, verset 4 à 9. Somme 9, verset 4 à 9. Nous avons Somme 9. Nous avons Proverbe 4, verset 18. Nous avons Proverbe 4, verset 18. Nous avons Somme 94, verset 1 à 3. Le Dieu de vengeance va venger. Mm-hmm. Somme 94, verset 1 à 3. Le programme ici est très, très important. Pourquoi? Je vous avais dit qu'ils n'ont pas pu atteindre le quota de sang qu'ils réclamaient pour le mois, pour l'année 2023. Là, ils ont repoussé jusqu'en mars pour avoir plus de sang, pour détruire, pour tuer. Ils ont programmé les accidents. Et là, en ce moment, ils ont empoisonné plus l'air. Ils ont doublé le poison pour que le maximum de personnes puissent avoir les crises cardiaques. En tout cas, plein de choses qu'ils ont programmées pour tuer. Voilà pourquoi ce programme, c'est pour que nous puissions. C'est pourquoi ce programme, c'est pour que nous puissions renverser tout le plan et retourner dans leur camp. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont organisé en croyant que ça va nous prendre, ça va se retourner contre eux. Mais le Seigneur m'a donné une parole en me disant, il va justifier les chrétiens. Il a justifié les chrétiens. Mais ne retournez plus dans le péché. Ne retournez plus dans le péché. Mais maintenant, le diable va retomber dans son propre pied. Ça veut dire que beaucoup de gens qui faisaient la sorcellerie, beaucoup de gens qui vivaient du sang des gens, beaucoup de gens qui se sacrifiaient pour vivre, pour avoir plus de place dans la, pour avoir les chaises, pour mieux se positionner, pour avoir leur trône, là, ils vont mourir. Et encore, le Seigneur m'a dit, en fait, ils sont en train de, beaucoup sont au terme de leur contrat.
et qui doivent renouveler. Mais ils ne peuvent pas renouveler le contrat s'ils n'ont pas atteint le quota de personnes qu'on les avait demandé de sacrifier. Vous voyez pourquoi je suis en colère quand quelqu'un dit miséricordieux? Ils ne peuvent pas nous renouer. Ce sont les êtres humains qu'on parle comme ça. Ils sacrifient comme des chefs. Donc pour eux, c'est... Non, c'est normal, quoi. Tuer, c'est normal pour eux. Quand vous, pendant que les gens pleurent, là, c'est là où il y a leur joie. Et c'est là qu'ils se réjouissent aussi. Donc, le nombre de personnes qu'ils avaient signé le contrat avec, ils n'ont pas atteint à cause des prières que nous sommes en train de faire. Toi et moi, on est en train de faire quelque chose dans le monde. Vous ne savez pas ce qui se passe. Maintenant, le nombre de personnes qu'on doit sacrifier, ils n'ont pas atteint. Alors, maintenant, leur maître les exige pour renouveler leur contrat. Il faut qu'ils atteignent le quota. Et là, maintenant, leur tête aussi est en danger. Et s'ils n'arrivent pas à atteindre le quota, eux-mêmes, on va sacrifier. Le maître n'a pas pitié de don. Il est en train de dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme le maître a demandé les contrats, il a demandé le quota, ils n'ont pas atteint. Mais le maître, maintenant, comme la date qui arrive et que tu n'as pas atteint ton quota, le maître, maintenant, devient exigeant envers toi. Il dit, comme tu n'as pas atteint ton quota, tu vas revenir, si je t'attendais avec 10 personnes, tu dois revenir avec 20. Pour que je puisse renouveler ton contrat. Donc, les exigeants deviennent trop. Et maintenant, d'autres, on leur dit, bon, toi maintenant, tu n'as pas atteint mon contrat. Tu dois coucher peut-être avec 5 folles ou peut-être avec 10 folles. Il faut ramener ça. Si tu ne couches pas, sache que ta mort est déjà proche. Donc, et là maintenant, ils sont dans des troubles pas possibles. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Donc, ils ne comprennent pas les accidents, le nombre d'accidents qu'ils ont programmés. Nous avons versé le sang de Jésus et nous avons arrêté le nombre d'accidents. Et vous devez aussi prier. Maintenant, là, ils sont en train de se retourner vers les païens. Et même vers les païens, le sang de Jésus n'est pas efficace vers leur maître. Le sang n'est pas efficace comme le sang des chrétiens. Parce qu'ils se réjouissaient, leur pouvoir montait plus sur le sang des chrétiens. Et comme les chrétiens aujourd'hui, je parle des chrétiens vrais, qu'on réussissait à taper, on tuait. Maintenant, à cause de notre intervention, les pasteurs, le sang des pasteurs, alors, oh là là, ça monte leur grade. Et là, maintenant, ils ne sont pas en train d'atteindre le quota. Et qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui sont en danger. Nous, ils sont en train de bouger beaucoup maintenant. Ils bougent énormément pour pouvoir atteindre le quota. Donc, nous devons prier que tout piège qu'ils ont tendu retourne contre eux. Que eux-mêmes, ils tombent dans leur propre piège. Que eux-mêmes, ils meurent. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent mourir. Ce ne sont pas nos enfants. Ce n'est pas nous qui allons mourir. C'est eux-mêmes qui meurent. Alors, aussi, l'autre sujet de prière, c'est que le sang de Jésus soit constamment en permanent dans les goudrons qu'ils avaient programmés. Le sang de Jésus soit constamment en permanent dans les goudrons qu'ils ont programmés. Et notre sujet de prière, c'est que nous renversons tous les chrétiens maintenant, que le sang de Jésus se déverse sur tout le monde dans le monde. Tout le monde soit imprégné du sang de Jésus. Même celui qui ne connaît pas doit entrer dans le sang de Jésus. Pour que le sang, même s'ils tuent quelqu'un, ils ne pourront pas bénéficier du sang. Pourquoi ils tuent? C'est parce qu'ils ont besoin de ton sang. Si ton sang ne sera pas important pour eux, le nombre de morts sera obligé de diminuer parce qu'ils n'ont plus le choix. Parce que là, ils savent que c'est eux-mêmes qui vont commencer à mourir. Maintenant, le nombre de morts ne vont pas diminuer parce que le nombre de quotas qu'ils avaient signés. Et maintenant, quand le sang ne monte plus beaucoup au trône du maître, le maître souffre. Le maître crie, le feu s'augmente. En fait, c'est le nombre de sang, c'est la quantité de sang qui éteint la chaleur, qui diminue la chaleur sur la chaise du maître. Et si maintenant, le sang est moins, lui-même, il est coincé sur sa chaise. Donc, il ne peut pas, il n'est plus en mouvement. Le diable est en mouvement quand ses serviteurs le servent bien. Et là, maintenant, tous ses serviteurs, les costauds, il m'avait dit que la personne qui lui est servi beaucoup, qui lui est beaucoup livré, c'est Ivan Castano. Ivan Castano lui est livré. Hein? Il lui est livré beaucoup de sang. Beaucoup. Et là, ils ne sont pas en train d'atteindre le quota. Le quota. Et puis, dans leur côté, d'autres vont recevoir des maladies sur eux. Ils vont commencer à souffrir des maladies. Ils ne vont plus comprendre ce qui se passe. D'autres vont commencer à ne plus dormir. Leur sommeil est retiré. Parce que une fois que quelqu'un tombe ou un jeune, il tombe quand il est en train de crier. À ce moment, le sommeil est doux. Le soir, il y a la fête. Dans leur camp maintenant, il n'y a que des pleurs. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Et là, ils ont multiplié les attaques en se disant que si on multiplie les attaques peut-être sur moi, on peut peut-être m'avoir pour pouvoir m'éliminer. Moi qui suis en train de donner leur secret,
et pour pouvoir opérer. Et maintenant, d'autres secrets, d'autres révélations que le Seigneur m'a donné, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que tous les secrets avec lesquels ils opéraient sur les enfants de Dieu, je suis venu mettre tout ça dehors. Donc, le royaume avec lequel ils travaillaient, les secteurs là où ils restaient, le Seigneur m'a révélé tout ça, j'ai mis dehors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils souffrent. Mais ils sont en train de chercher maintenant les stratégies autrement, d'autres stratégies. Et la stratégie, oui. Donc, ils cherchent des personnes maintenant créatives. C'est-à-dire que les gens qui ont des idées, qui peuvent donner d'autres idées, ils sont en train d'embaucher des nouvelles personnes maintenant, qui sont dans le monde, qui ont besoin du parc pour gagner de l'argent. Et en ce moment, et ils ne veulent pas les gens comme ça, bête, mais ils veulent les gens créatifs, très intelligents, pour pouvoir juste maintenant les proposer. Bon, on peut faire comme ça pour pouvoir les attendre. Maintenant, des magasins même sont touchés. Les vêtements même sont touchés. Beaucoup de personnes, je venais de délivrer quelqu'un, vous avez vu, c'est à cause d'un bonnet qu'il a acheté, il a mis sur sa tête. On l'a possédé. J'ai dit, vous êtes parti comment? Il a dit à cause d'un bonnet. Donc, maintenant, les magasins sont touchés. Donc, quand vous entrez au magasin, quand vous achetez quelque chose, priez beaucoup, s'il vous plaît. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Et maintenant, ils accélèrent. Ils sont en train de multiplier les mariages. Voilà, pour livrer à leur maître. Parce que quand tu fais un mariage dans leur royaume, en fait, tu as signé le pacte avec le maître sans connaître. Et là, tu deviens leur esclave. On te fait entrer dans la chaise où tu dois t'asseoir, dans la lignée des chaînes. Tu t'assois dessus, tu es enchaîné sur la chaise. Et toi, le mari ici, c'est le mari qu'on a amené là-bas, il ne sait pas. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous ai donné les indices pour que vous priez avec. Donc, tous les gens, maintenant qu'ils ont pointé du doigt pour pouvoir sacrifier, nous versons le sang de Jésus dans leurs veines, dans leur corps, dans leur sang. Nous mélangeons le sang de l'humanité avec le sang de Jésus. De telle manière que le sang-là ne pourra plus être utile au diable. Le sang ne pourra plus être utile à Satan. Donc, ce qui fait qu'il va continuer à sécher. Et Dieu, j'ai demandé à Dieu que jusqu'à ce que je parte, il ne pourra plus jamais remplir son coin. Il ne pourra plus jamais, non. Il ne va plus jamais se glorifier tel qu'il s'était glorifié. Le royaume va sécher. La souffrance va entrer ici sur terre, dans leur camp. Vous allez voir, les pays, tous les pays, les grandes puissances avec lesquelles ils œuvraient avec le diable, ils vont tomber. Et ça, c'est là le règne du diable qui est en train de tomber. Les grandes puissances qui régnaient avec le pouvoir du diable, ils vont tomber. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc, partagez beaucoup. Le programme, c'est très important pour tous les chrétiens. Vraiment, j'ai dit très important. Partagez, je vous fais confiance. Je sais que vous n'allez pas jouer avec ça. Voilà pourquoi je suis quitté et j'ai fait un direct à part pour que les gens puissent mieux partager et que chacun en bénéficie. Même si tu es païen, fais ce programme pour que l'année si tu ne sois pas parmi les gens qu'on va sacrifier. Donc nous révoquons la mort, le jugement de Dieu tombe dans leur camp. Amen. Le jugement de Dieu pour ses élus. Et que ça tombe dans leur camp. Voilà. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus. Et je sais que vous allez beaucoup prier pendant ce programme. On a dit le 24. Le 24, là, ça commence quand? Mercredi? Mercredi, hein? Waouh, voilà. Je vois que quelqu'un me dit qu'elle a acheté une robe. Elle est rentrée dans la ville. Elle se rend compte que le vêtement était déjà porté. Et pourtant, elle l'a acheté dans un magasin. Non, mais c'est grave. Le monde est déjà gâté. Beaucoup de choses. Ils sont en train de posséder beaucoup de choses. Posséder, mais parfois les boucles d'oreilles, parfois les vêtements, parfois des robes. Ils sont en train de posséder beaucoup de choses pour prendre les gens en captivité. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vraiment merci, merci, merci. Shalom à vous. Donc, on s'est dit peut-être...